Et bonsoir à tous les amis, bienvenue sur ce nouveau live. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle petite semaine qui attaque mardi parce que hier clairement j'étais complètement KO. Je vais pas vous mentir, j'étais complètement KO, donc du coup j'ai préféré prendre une journée de repos. Donc c'est pour ça qu'on attaque mardi, mais on va streamer. Et il y a déjà du monde dans le chat, il y a The Docto qui est là. The Docto 1234 qui fait son premier message dans le chat. Bienvenue Maxime 749 qui est là, Neymar Junior qui est là. Nous avons qui? Nous avons Reda forcément, Lige King qui est là. Bienvenue à tous. Je suis extrêmement content tout simplement de vous retrouver pour une nouvelle semaine de live. Salut mon Chris Crax. Ça me fait très plaisir mon Reda. Merci à toi d'être là. Installe-toi confortablement. Ce soir, on attaque les lives The Last of Us et on va faire cela toute la semaine. Ça va être une semaine spéciale The Last of Us. Bon, on ne sera pas sur la version PC. Étant donné que ça ne sert à rien. Même s'il y a eu des nouveaux patchs, etc. Elle n'est pas à la hauteur de la version PS5, clairement. Et pour faire The Last of Us, pour streamer The Last of Us, je n'avais absolument pas du tout envie. Tout simplement de vous faire je voulais dans les conditions optimales. Et salut Emile Jean, salut Emric, let's go, premier live que je regarde. Et j'espère que tu vas kiffer je suis en train de préparer, on va faire une nouvelle partie plus du coup hein. Voilà, tac, hop, voilà, on va attendre là. Donc voilà, version PC catastrophique, bah oui. Oh ouais, sur ça on peut pas nier l'évidence, malheureusement c'est une version assez chaotique. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je préfère partir sur la version PS5. La semaine dernière ça commençait à marcher la version PC, même si on avait eu un crash, mais on pouvait même pas le faire tourner en ultra, enfin ça sert à rien. C'est un jeu quand même qui, au-delà de la narration qui est fantastique, qui mérite quand même d'avoir une des graphismes dignes du jeu. Donc c'est pour ça que je me suis dit on va pas s'embêter, on va le faire directement sur PS5 et ce sera mieux. Tu avais raté mon message, mais je t'ai dit que ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu sur ton live. Ah oui, excuse-moi, je n'avais pas vu. C'est vrai que j'étais un peu à la bourre, je suis allé faire mes cours, je suis rentré tard. Donc du coup j'ai raté pas mal de choses. Darkseid qui vient et qui fait son premier message sur le chat. Emric, c'était également son premier message, effectivement. Il y avait qui? Il y avait Reda, il y avait ça. Et oui, j'ai effectivement loupé ton message. Écoute, ça me fait plaisir, Emile, de te revoir sur le live. Et j'espère que tu vas kiffer. Et il y a également Agus Ferrari. Salut, parler espagnol. Ah non. Non. Je sais même plus comment je dis désolé en espagnol. Pourtant, j'ai fait espagnol LV2. J'ai revu ma prof d'espagnol hier quand j'ai fait ma conférence dans mon ancien collège où on a parlé d'espagnol. Justement, je lui disais que mon niveau en espagnol, il y a plus de niveau en fait. On va pas se mentir. Donc, comment on dit désolé en espagnol déjà? Oh là là, no habla Spanish? Non, Spanish en anglais. Oh là là, c'est catastrophique. J'ai fait LV2 espagnol, LV3 italien, en plus je confonds et tout, donc. Parlo italiano, c'est italien, et habla, indulto, ok, no indulto, no indulto, Agus Ferrari, no habla española, espagnolo, voilà, bon, hein, voilà. Tu l'as déjà fait The Last of Us dans le passé? Bien sûr, Emile, je suis quand même le fondateur de Naughty Dog Mag. Si je n'ai pas fait The Last of Us, c'est que c'est dur. J'en suis à ma... Je crois que ça va être la 13e fois qu'on le fait là. C'est simple, je l'avais fait 10 fois sur... Non, 11e fois. 11e fois, je crois. 11e fois que je me lance sur le premier The Last of Us. Et j'en suis à 5 fois, je crois, sur The Last of Us partie 2. Donc oui. Je connais bien notre petit The Last of Us. Yo Mad Dog, comment est-ce que ça? Bien, bien, et tout. Ah, ça commence à revenir, hein. Et tout.
En espagnol, désolé, c'est lo siento. Voilà, bah du coup, Reda, enfin, au revoir. Oui, je me disais, c'était bizarre, indulto. Lo siento no habla española. Lo siento. Moi, sur PC, j'ai déjà fait 4 fois. 4 fois sur PC en une semaine. Ah ouais, non, mais tu as fait que ça, hein. Tu as fait que ça. Mais je vais l'annoncer sur le Discord Naughty Dog Mag qu'on est en live pour ceux qui veulent venir nous voir. Hop. Blabla général. Hello les amis. On part en live sur The Last of Us pour ceux qui veulent venir passer la soirée avec nous. Tac tac tac. Twitch.tv/ChrisClippel. Hop là. Et voilà pour ceux qui veulent. Pour ceux qui veulent venir. Tu vas le faire, Resident Evil 4 Remake. Il faudrait. Il est installé sur comment ça s'appelle sur la Play, mais j'ai pas eu le temps. Là, comme en fait, je viens de déménager. Même là, je pense que cette nuit, je vais rattaquer le tournage des vidéos. Alors, ce sera sur fond vert, puisque du coup, je suis encore en train de préparer le nouveau décor, etc. Mais là, vraiment, entre le déménagement et tout, je suis sur les rotules. Il y a eu beaucoup de temps qui n'était pas prévu. Donc, du coup, voilà. Yo, agent Stéphane, hop, welcome. Welcome. Du coup, voilà. Donc, c'est vrai que là, je vais reprendre. Je vais essayer de préparer le vrai ou faux. Le vrai ou faux de Naughty Dog Mag et de Rockstar Mag de ce week-end. Je vais essayer de préparer le Rockstar's Games de la semaine prochaine. Parce que du coup, on va le faire la semaine prochaine. Je vais essayer d'avancer le documentaire sur Tech2 Interactive. Je vais essayer d'avancer 2-3 projets. Enfin, il y a vraiment beaucoup de trucs. Donc voilà. T'as intérêt à faire un sans faute, Chris. La France te regarde. Oula, Logan, premier message dans le chat. Déjà un coup de pression. Bienvenue à toi, Logan. Et du coup, bah écoute, je... Voilà, que dire à part et on va essayer de pas faire un sans faute, enfin de faire un sans faute. D'accord, j'espère que ton déménagement s'est bien passé. Ouais, le déménagement s'est très bien passé, l'emménagement aussi, mais en fait y a toujours une bricole à faire, il y a toujours un nouveau truc. Comme j'ai emménagé dans un appartement qui est bien plus grand que le précédent, j'ai des nouvelles choses à acheter, notamment là cette pièce où on est, c'est la salle gaming, donc pour moi vous pouvez pas trop la voir parce que je tiens ça secret pour le moment. Mais du coup, il y a beaucoup d'aménagements à faire, beaucoup de choses à faire. Et donc, du coup, ça me prend pas mal de temps. Voilà, sachant que j'ai aussi mon taf à côté. Donc, malheureusement, je suis un petit peu en retard. Là, ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo. 2 semaines que je suis complètement sorti de l'actualité. Je ne sais même pas ce qui s'est passé ou quoi que ce soit. Donc, je vais tâcher de revenir, on va dire, incessamment sous peu. Pour recommencer à bosser et recommencer à vous divertir. Moi, ma priorité, c'était quand même de préparer la salle de stream, enfin, le setup de streaming pour au moins que vous ayez des news de moi. Donc, c'est-à-dire que le lendemain de mon déménagement, j'avais déjà le setup de prêt. Mais voilà, c'est vrai que mis à part ça, je suis quand même un petit peu en galère. Donc voilà, mais ça va revenir. Hein. Ça va revenir. Je pense que j'ai encore 7 semaines où ça va galérer. Et à partir de la semaine prochaine, ça va reprendre à fond. Et merci mon Suleiman pour les bits. Bon live en espérant que ça fonctionne. Nous, on va manger, la courage pour tes projets. Merci mon Suleiman et bon appétit. Et là, oui, ça va marcher. Là, ça va marcher. J'ai tout préparé, j'ai tout fait. C'est sûr et certain que ça va marcher. Il n'y a pas de souci. Et salut Ruben, bienvenue à toi. Actu, nouvelle manette Xbox Star Wars. Le jeu arrive, les rumeurs sur un nouveau State of Play et E3 annulé. Alors, le 3 annulé, je l'ai vu. J'ai même reçu le... Enfin, ça a été la défaite, mais totale, puisque j'ai reçu mes places de l'E3. Donc, j'étais là en mode... On va préparer l'E3 en juin, on va préparer des projets. Je comptais faire un tournage pour Rockstar Mag, etc. Vous faire vivre l'E3 comme en 2019. Je me suis dit, ça va être insane. Finalement, non, puisque 4 jours plus tard, on reçoit un mail comme quoi l'E3 est annulé et que les accréditations, du coup, ne serviront à rien. Donc voilà, c'est pas le Covid qui a tué l'E3, clairement, ça je vais te le dire, c'est pas le Covid qui a tué l'E3, c'est une mauvaise organisation, c'est une guerre d'ego,
Et c'est des prix beaucoup trop élevés qui ont tué le 3, malheureusement. Mais du coup, voilà. Bah, les amis, sur cela, juste un petit point sur, bien entendu, le planning de la semaine. Le planning de la semaine. Alors, pas de stream vendredi, samedi, dimanche, puisque j'ai mes meilleurs potes qui viennent chez moi. Donc pas de stream vendredi, samedi, dimanche, je ne serai pas disponible. Ou peut-être vendredi un petit stream FIFA ou comme on avait fait en PlayStation VR avec Loïc là, en février. C'est pas impossible, on verra. Mais du coup, on va streamer mardi, mercredi, jeudi sur The Last of Us. Et bonsoir à toi Letty, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et sur cela, les amis, eh ben, on attaque. On attaque, on attaque. Hop. Hop, on va jouer en normal pour ne pas vous laisser. Hop. Tac. Hop, on va mettre le son. Ce sera mieux. On va mettre le son. Et donc du coup, comme je vous l'ai dit, voilà. On part sur The Last of Us Partie 1 sur PC, sur PS5. Comme ça, on est sûr d'être au top. Vous avez du son? Tommy, écoute-moi. C'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, ok? Je peux pas perdre ce boulot. Oui, je comprends. Écoute, on parle de ça demain, ok? Oui, on en reparle demain matin. Ouais, ok, bonne nuit. Hey. Tu me fais une place? Ça fait quand même super plaisir d'être... Yo, mon Younes! Bienvenue, putain, t'arrives pile à l'heure! Pile à l'heure! Et salut KW, Begenzo, bienvenue à toi, ça va super et toi? Mais c'est encore aujourd'hui. Oh chérie, non, pas maintenant, je suis trop fatigué pour ça. Tiens. C'est quoi ça? Ton anniv. Bah ça va mon Youn, c'est toi? Ça va super? T'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée. Alors, je me suis dit... Elle te plaît? Bien, bah viens Reda, super ça d'être propriétaire. Bien, félicitations. Quoi, gentil, mais je crois qu'elle s'est arrêtée. Elle... Quoi? Non 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 non. Avec quel argent t'as acheté ça? Tellement mieux la tête de Joël Jeune dans ce remake comparé à sa tête jeune sur PS3, mais carrément. M'aider à rembourser l'emprunt. Ouais. Carrément. The Last of Us commence, je suis heureux. Bah t'arrives en plus pile à l'heure. Hein. Pile pile à l'heure. C'était cool, Chab. Ouais, c'était super cool, ouais. Ça fait 3 fois que j'y vais. Cette année, j'ai fait 2 conférences, pas une, parce qu'il y avait même un collège qui était un autre collège, autre que Chabriant. C'était génial. Oh, la petite musique et tout. Et là, les graphismes. Là, on est dans les conditions optimales, ça fait plaisir. Bonne nuit, trésor. Ah, l'OST elle est plus que insane. Notre Gustavo il nous fait un perfect. Salut, salut Hugo, bienvenue à toi. Allô? Sarah, chérie, il faut que je parle à ton papa. Oncle Tommy, il est quelle heure? Je dois parler à ton père, il y a des... Oncle Tommy? Allô? Allez, let's go. L'aventure commence cette fois. Donc comme on disait, on va regarder un petit peu aussi des petits easter eggs. Déjà là, comme je disais, voilà le Dawn of the Wolf qu'on voit dans la série. Les nombreux posters de foot, etc. Oula, ça lag ou moi? Oh ça... Ah non, 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 non. Non mais attends, ça lag? What? Je suis sur PS5, c'est quoi ce bordel? Ah, je suis vraiment maudit avec ce jeu là. Non, ça y est. Ça y est, ça va mieux. Ça va mieux. Ah, je commence à flipper. La fameuse carpe au sec, le dinosaure que l'on voit dans la série. Donc on la voit pas comme ça, mais en fait si vous regardez en fait sur un petit plan, on voit cette carte avec le dinosaure. Et donc voilà, bon le t-shirt forcément, la photo avec de au foot que ceux qui ont vu mes vidéos Naughty Dog Mag, je regrette de ne pas l'avoir eu dans la série. Et donc voilà. Et là j'ai directement regardé un truc. Papa ? Ah si putain, j'avais jamais fait gaffe qu'on pouvait rentrer dans la salle de bain. C'est ouf. J'ai découvert ça lors du let's play la semaine dernière.
Et j'étais persuadé que c'était une nouveauté PC, parce que j'avais jamais fait gaffe. J'ai pas souvenir. Salut Georges! Bienvenue à toi! Bienvenue sur le stream! Qu'est-ce que t'es passé? D'après nos sources, les patients souffrant de l'infection montrent des signes croissants d'agressivité. Vous pouvez évacuer tout le monde, il y a une fuite de gaz. On dirait qu'il se passe quelque chose derrière nous. C'était quoi? C'est quand même beaucoup plus joli que le stream de la semaine dernière. C'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus plaisant. Je préfère découvrir et faire un petit... Enfin, pas découvrir, mais faire un let's play dans ces conditions-là, quand même. Pas encore, Reda. Younes. Il manque plus que... Alors, vous voyez, en fait, j'ai les prêts, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, mais t'étais pas encore là... même les vidéos, j'ai pas pu reprendre parce que je, avec le déménagement, enfin je, le déménagement s'est bien terminé. Rappelle-moi. L'emménagement aussi, mais j'ai toujours un truc à faire, un truc et j'ai pas le temps en fait avec mon taf, etc. Donc voilà, malheureusement, mais ça va, ça, c'est une question de jours. Mais voilà, donc t'inquiète, j'ai pas envoyé le clavier à Plinks non plus, je voilà. Mais ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. De toute façon, il est là, il est juste là. Je peux te le montrer, il est juste là. Il est emballé et il manque plus que je trouve le ça temps va. De voilà. D'y aller. Ça va bien. Ouais. Est-ce que quelqu'un est venu? Non, quelqu'un devait passer. N'approche pas des portes. Ne bouge pas d'ici. Papa, tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est les Cooper. Il y a un truc qui cloche. Je crois qu'ils sont malades. Quelle maladie? Putain! Jimmy! Papa! Ah, la tête de Sarah, les expressions, enfin, c'est incroyable. Ils ont fait un taf. J'étais le premier à être sceptique sur l'utilité du remake, mais. Mais non. Franchement, masterclass. D'ici, tu m'as bien compris. Oui. Tommy, allez. Allez. Quel jeu. Mais quel jeu. T'es au courant de ce qui se passe dans le coin? On peut dire ça. Putain de merde. T'as du sang partout sur toi. C'est pas le mien. Tire en Odyssey. Paraît que la moitié de la ville a perdu les pédales. Est-ce qu'on peut y aller, s'il te plaît? Sors-le par là. Je sais pas quoi. Tu vas me dire ce qui s'est passé. Plus tard. Hé, hey, Sarah. Comment ça va, chérie? Ça va. On peut allumer la radio? Ouais, bien sûr. Mais là, j'ai fini la série il y a 2 jours. Ah bah, timing parfait. Pas de portable, pas de radio. Ouais, tout se passe bien. Il y a une minute, le journaliste s'arrêtait plus. Ils ont dit où aller? Il disait... l'armée installe des barrages sur la nationale. On rentre plus dans le comté de Travis. Ça veut dire qu'on doit décamper d'ici. L'expression du visage, c'est catastrophique apparemment. C'est pas apparemment, c'est catastrophique. Ils ont dit le nombre de morts? Sûrement un paquet. Je l'ai toujours pas avancé. Et t'attends quoi, Reda, là? Oh! Let's go, hein! Nom de Dieu, comment c'est arrivé? Personne ne sait. Mais c'est pas seulement ici. Au début, ils parlaient juste du sud. Maintenant, ils parlent de la côte est, de la côte ouest. De Louis. J'espère que cet enfoiré s'en est tiré. Je m'en fais pas pour lui. Tu sais si la situation PC s'améliore? Alors apparemment il y a eu un correctif aujourd'hui et il y a un gros patch qui arrive vendredi apparemment. C'est ça. Donc on verra, mais pour le moment voilà voilà quoi. Voyons ce qu'ils veulent. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Continue. Ils ont un gosse, Joël. Nous aussi. Mais on a de la place. Continue, Tommy. Stop, attendez.
n'avez rien vu. Quelqu'un d'autre passera. C'est juste sous Unreal Engine 5, c'est pas quelque chose. Bah. Ouais, tu sais, là, déjà, le moteur de Naughty Dog est déjà assez impressionnant. Hein. Putain de merde. Fais demi-tour. Tommy. Tommy. Oh putain. Qu'est-ce qui vient d'arriver? Mais qu'est-ce qui vient d'arriver? T'as vu ça? Oui, j'ai vu aussi. Tourne ici, tourne ici. Je me rappelle encore moi qui découvre ce jeu il y a 10 ans. Non, 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 non. Rien que cette introduction en fait. T'es un peu plongé. Pareil, tu sais pas ce qui se passe en fait. Tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas. On peut pas rester ici, Tommy. Je peux pas l'enfoncer. Lui là qui marche, tu sais déjà qu'il commence à être infecté. Enfin maintenant tu le sais. C'est pour ça qu'il marche, il commence à être infecté. Incroyable. Si tu l'as dit, Reda. Pas besoin de répéter encore, on le sait maintenant que tu es propriétaire, félicitations. Hey. Recule ma puce, recule. C'est incroyable. Papa, je suis là, chérie, je suis là. Donne-moi la main. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal à la jambe. Mal comment? Mal. On va devoir courir. Merde. Je compte sur toi. Allez, ma puce. Accroche-toi bien. D'accord. Elle est là. Garde les yeux fermés, ma puce. Le souffle et tout, enfin, c'est incroyable. Ils ont vraiment. Ils sont feu. Ne regarde pas, Sarah. Regarde-moi, ma puce. On va s'en sortir, c'est promis. Reviens! Ils sont trop nombreux! Par ici! Dans l'allée! Allez! Yo mon Alex, bienvenue! On y est presque. On y est presque, mon cœur. Il passe la barrière. Oui, Ferra. Oui, August. Oui, Agus. Si. Prends la nationale. Vas-y, t'as ça. Moi, je peux l'esmer. Oncle Tommy. On se retrouve là-bas. Dépêche. On y est presque. Un arrêt au moment. Il se rapproche. Ce fameux moment où même si tu connais. Papa. On a besoin d'aide. Stop! S'il vous plaît, c'est ma fille. Je crois que sa jambe est cassée. N'avancez pas! Ok. Yo, moi, X-Man. Et salut, Primate Eyes. Bon matin à toi aussi. Dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres? Papa, où est oncle Tommy? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok? Chef, il y a une petite fille.
Mais... Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok? On veut juste... Oh, merde. Je vous en prie. Oh non. Sarah! Ok. Enlève tes mains, chérie. Je sais, chérie, je sais. Non. Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va aller, chérie, reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Sarah. Ah putain, je l'ai fait 12 fois le jeu, j'ai encore les frissons. Ne fais pas ça, chérie, ne fais pas ça. Allez. Non. Non. Non, non. Pitié. Oh Dieu. Pitié. Pitié, pas ça. Pitié. Non. Ce sont des putains de génies, bordel. J'ai des frissons encore, sans déconner. Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Yo, Nissu, bienvenue à toi. Des centaines de cadavres dans les rues. Bienvenue, bienvenue. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'organisation. J'ai la chair de. Bah ouais. Ah, t'arrives au bon moment. Enfin, est-ce que c'est le bon moment? Je ne sais pas, mais tu arrives au moment. Nous allons prendre les mesures nécessaires pour. Après 10 jours de Covid intense. Oh, dur, Private. Ça va mieux? Les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de quarantaine. Les rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres et les émeutes durent depuis maintenant 3 jours. Un groupe se faisant appeler les Lucioles a revendiqué être à l'origine des 2 attaques. La foule réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement. Des manifestations ont éclaté après l'exécution de 6 membres présumés des Lucioles. Montrez votre révolte à nos côtés. Quand vous êtes perdu dans l'obscurité, Christophe Balestra. Est-ce qu'il y a un bon moment pour The Last of Us? C'est pas faux. C'est pas faux. J'en suis pas sûr en effet. Je ne pense pas. C'est 20 ans plus tard. Ouais, j'arrive. La scène de la girafe, bon, ouais. Carrément. T'as bien dormi ? Tess, hein, dont l'actrice malheureusement décédée. Hein. C'est la première fois que je refais le jeu depuis... Non, non, j'en veux pas. J'ai des nouvelles intéressantes pour toi. T'étais où, Tess ? Dans le quartier ouest. On avait une livraison. Salut Mathis, bien fait. Effectivement, oui. Je t'avais pas vu. Bienvenue. On avait une livraison à faire. Ouais. Tu voulais rester seul. Ah, j'irai, oui, mais Joël et Lee vont semer. Bah, ils vont pas trop semer la mort, alors, ils vont survivre. L'échange a mal tourné. Et malheureusement, la survie. Est-ce que je me trompe? L'échange s'est très bien passé. On a assez de cartes de rationnement pour 2 mois. Facile. Tu veux bien m'expliquer? J'étais sur le chemin du retour et je me suis fait attaquer par ces 2 connards, ok? Ouais, je me suis pris quelques coups, mais... Écoute, je suis en vie. Donne-moi ça. Et alors, ces connards, ils sont toujours en vie. On se doutait quand même qu'ils étaient tous les deux un petit peu dans une relation, quand même. Tu sais qui c'était, au moins. Bon, écoute, c'était personne, ces types, on s'en fout. Et ce qui compte, c'est que c'est Robert qui les a envoyés. Notre Robert? Ouais, il sait qu'on le cherche. Il s'imagine qu'il va nous avoir en premier. Oh, le fils de pute, il est malin. Non. Il est pas assez malin. Je sais où il se cache. Ça m'aurait étonné. Le vieil entrepôt de la zone 5. Mais j'ignore pour combien de temps. Eh ben, je suis prêt maintenant, ok? Oh, ça va. On reconnaît quand même bien la zone de quarantaine de Boston dans la série, quand même. Ils ont vraiment fait un sacré taf. Ça fait plaisir. Le poste 5 est ouvert.
On n'a que quelques heures avant le couvre-feu. On ferait bien de se manier. T'es sérieuse? J'ai reçu les foutus papiers ce matin. J'ai été choisie pour travailler hors de la zone. C'est vraiment n'importe quoi. C'est le boulot des soldats d'aller dehors. Je penserai à leur dire. C'est quand même sublime. Tout citoyen doit être muni en permanence d'une identification valide et obéir à tout le personnel de la ville. Regarde ça. Le rationnement n'est pas encore ouvert. Non, c'est la troisième fois que je fais le remake. J'ai fait 6 fois ou 7 fois le jeu original sur PS3. J'ai fait 3 fois ou 4 fois le remaster sur PS4. On dirait qu'il y a toujours de nouveaux. Et là, c'est la troisième fois. Donc, j'ai déjà fait 2 fois, c'est la troisième fois que je fais le remake. Non, là, je suis sur PS5. Trop la merde sur PC, ça sert à rien. Y'a quoi comme vidéo de prévu cette semaine, Chris, sur la chaîne confondue? Y'a un test d'un. Alors, je sais pas si c'est cette semaine, mais je vais essayer de faire le plus rapidement possible. Mais il y a un test d'un écran gaming sur ma chaîne Chris Klippel. Qu'est-ce que vous faites là? Il y a les vrais ou faux qui arrivent sur Naughty Dog Mag et Rockstar Mag. Faut que je termine la vidéo vos attentes de la communauté sur GTA 6. Donc voilà, il y a beaucoup de contenu qui arrive, mais comme je l'ai dit en fait avec le déménagement s'est bien passé, l'emménagement aussi, mais comment ça s'appelle, il y a toujours des trucs à faire en fait, écoutez, et à côté, et c'est ça qui me prend beaucoup de temps, et donc voilà. Ouais, l'écran gaming, c'est le InZone en plus, l'écran Sony, qui était vraiment pas mal, ils me l'ont envoyé pendant 2 semaines, bah, juste avant que je déménage, et du coup j'ai pas encore eu le temps de que je fasse l'article de la vidéo. Il faut fermer tous les postes de contrôle. Voilà. Il va falloir qu'on fasse le tour par l'extérieur. Par l'extérieur. Ou alors, on laisse Robert s'en tirer. C'est ça. Il y aurait d'autres jeux PSVR 2 que j'aimerais faire aussi. J'y étais. Ça donne quoi dans le tunnel Est? RAS. J'y suis passé. Aucune patrouille. Où est-ce que vous allez? On va rendre visite à Robert. Vous aussi? Qui d'autre s'intéresse à lui? Marlène. Elle se renseigne à droite à gauche pour le trouver. Marlène? Pourquoi les Lucioles voudraient trouver Robert? Elle m'a rien dit. Bon, et qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Je sais pas où il se planque. Bien joué. Évite de t'attirer des ennuis, d'accord? L'armée va bientôt débarquer en force. Ouais, à plus tard. Marlène qui cherche Robert? Qu'est-ce que t'en penses? J'aime pas ça. On ferait bien de le retrouver avant les Lucioles. J'ai envie de me relancer en mode réaliste. Ben, c'est un sacré challenge, je l'avais fait sur PS4. Là en stream je prends en normal parce que sinon après en mode difficile réaliste tu prends beaucoup plus de temps. Salut les gars, comment ça et va? Les gunfights ça va pas être le moment le plus passionnant pour vous. Donc je le fais en normal. Mais j'avais fait en mode réaliste sur PS4 et c'était vraiment cool quoi. Joël, tu peux m'aider à pousser ça? Faites attention à vous là-bas. Que la lumière soit. Ouais, vendredi. Vendredi, je crois qu'il y a déjà eu un correctif aujourd'hui, je crois. Ou peut-être demain. Et la semaine prochaine, enfin vendredi, il y a un gros patch apparemment qui sortira. Pas beaucoup de munitions. Les gaspille pas alors. Mais bon, clairement, je vous le dis, je vais pas faire le test. Hein. Okay, ils avaient qu'à envoyer le jeu en avance et que le jeu devait avait qu'à être terminé. Là, du coup, clairement. Prêt. Mais au niveau expérience du jeu, ça doit être top. De
quoi, la version PC. Allez. La version PC, Nissu. Salut Mirval. Oui, il y aura une rediffusion dès demain midi sur la chaîne Naughty Dog Mag. Bien entendu. Je le suis toujours, non ? Ah, le mode réaliste, ouais. Question piège. Bah, le top du top, c'est le réaliste avec le permadeath. Pas venu ici depuis un bail. Là. Ouais, bah, je suis déjà en romantique. Pas d'autres atouts. Ça va bien sinon, comment le déménagement de... Ça va. Ça va bien sinon, comment le déménagement, tu reprends bientôt les vidéos YouTube? Alors c'est ce que j'ai expliqué, je vais reprendre les tournages cette semaine en espérant commencer à en sortir en fin de semaine. Elle est où l'échelle? Elle doit être quelque part dans le coin. Je l'ai. Je vais peut-être pas tourner cette nuit, mais à partir de comment ça s'appelle, de la nuit prochaine, je vais commencer à tourner, voilà. Merci, c'est top que je regarde souvent les rediffusions sur YouTube. Ah bah c'est top, c'est cool. C'est cool, tant mieux si tu kiffes. Mais ouais, il y aura... Les rediffusions YouTube sont tout le temps le lendemain midi. Si c'est un jeu Rockstar, c'est sur Rockstar Mag. Si c'est un jeu Naughty Dog, c'est sur Naughty Dog Mag. Et si par contre c'est un jeu divers, c'est sur ma chaîne perso. Le permadeath, c'est pour Mehdi ça. Grave. Moi j'ai pas la patience. Honnêtement, j'ai pas la patience. Luciole, petit pendentif des Lucioles. C'est qui? David Michael. Faut descendre par là. Bah on descend. Ouais, c'est la version PS5, quoi. Je crois que Robert a toujours nos armes. J'espère, pour son bien. Une fois qu'on aura notre marchandise, on devrait pouvoir l'écouler facilement. En parlant de marchandises, quand est la prochaine livraison? Attends, des sports. Ah, il est très très beau. Sur PS5, il est vraiment... Putain, mais comment, c'est la version ultime. Il y avait rien la dernière fois. Elles proviennent forcément de quelque chose. Sois prudent. Non, elles fonctionnent pas, malheureusement, pas encore. Va falloir attendre. Chercher. Le corps n'est pas très vieux. On ferait mieux d'ouvrir l'œil et de tendre l'oreille. On devrait pouvoir passer par là. Oh merde! Ça va? Ouais. Ce plafond est un vrai gruyère. Attention. Doucement. Putain! Attention. Aidez-moi. Mon masque est pété. Ne me laissez pas muter. Pitié. En route. On pouvait pas le laisser se transformer. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Hein. Les sports, c'est tellement classe. Merde. On peut tout. On peut tout comme un con. Bon, on les a tous eus. Et que moi j'ai réussi à faire la sensation que j'étais trop contente. Ah bah yes, bien joué. Moi j'ai pas encore, c'est le temps qui me manque. J'aimerais tellement le faire, mais le temps me manque terriblement. Mais du coup, bien joué. En plus la version PS5, on gagne beaucoup de temps parce que... Merci. On gagne énormément de temps parce que du coup y a pas le multi.
Ah, les sports qui manquaient la série, clairement. Alors, je pense qu'il va y en avoir dans la saison 2. Je pense qu'ils ont entendu les fans. Craig Mazin avait déjà dit que c'est pas parce qu'il n'y avait pas de sort dans la saison 1 qu'il n'y en aurait pas dans la saison 2. Et je pense clairement qu'ils vont en mettre. Parce que même esthétiquement et visuellement, ça rajoute mais tellement de cachets. Ça rajoute tellement de cachets, on va pas se mentir. Hein. La DA avec les sports, c'est sublime. Avec la musique qui démarre, je pense qu'on aura l'espoir pour l'hôpital. J'espère. Ah, j'espère. Et bienvenue à toi, Zobi, sur le stream. Alors, j'espère. L'hôpital, c'est clairement, on peut pas s'en passer. Enfin, je suis toujours subjugué par le jeu. Bah, mais reste que c'était dans le premier qui a le plus de sport. C'est vrai. Dans la série, ça manquait de violence. Exactement. Ça manquait de violence, ça manquait de sport, ça manquait d'infecté. Mais voilà, je pense que c'est aussi une première saison. Il y avait la volonté de la rendre assez accessible, etc. C'est bon. Et mine de rien, ça reste un essai. La saison 1, même si l'épisode 1 c'est le pilote, la saison 1 dans sa globalité, ça reste un pilote aussi. Et je pense que du coup, ils vont se servir des retours pour améliorer et avoir une saison 2 qui sera, à mon avis, largement au-dessus. Je pense. Je pense qu'ils vont bien marquer la différence entre la violence dans la saison 2. Violence un peu plus. Ouais, je pense aussi. Je pense que pour marquer encore plus les esprits que la saison 2, ça a peut-être été un choix. Quand est-ce que tu viens me froisser sur F1 avec mon PC qui refonctionne ? C'est vrai que j'aimerais faire du F1 2022 aussi, mais j'ai le temps qui me manque. J'ai le temps qui me manque. C'est un peu lourd. C'est trop doux, mais hâte de voir la deuxième saison. Ouais, je pense que la deuxième saison elle va être assez fantastique. Je pense. On a affaire à un vrai remake au Master, au moins à bon entendeur. Sur lequel là, sur cette version PS5 là. Sur la version PS5, hein, sur la version PC. Entre Rockstar qui me foire GTA Trilogy et Naughty Dog qui me foire la version PC de The Last of Us, je commence à avoir un petit peu le seum quand même. Je commence à avoir un petit peu le seum. Il n'y a pas de soldats ici. C'est bon, on y va. La Kaby, ça a été dur, même si je ne suis pas trop Team Abby. Ah, moi je suis totalement team. Enfin, je suis pas team Abby, mais je suis team 50-50. Ce qu'ils ont fait avec Abby, c'est. Mais il faut avoir une paire de couilles monumentale. Franchement. Et merci Artus, merci pour le follow, bienvenue à toi. Décidément, excusez qui suivrait, ce n'est pas une réussite. Exactement. Entre Groove Street Games pour GTA et. Et Iron Galaxy pour The Last of Us, on n'est pas. Pas d'homme de Robert, ok. Je sais qu'il nous attend. Eh ben, ce sera plus intéressant. C'est bon. Ma belle, comment ça va aujourd'hui? Paraît que t'as pas de marchandises. Non, c'est bon, j'ai la carte. Maintenant, t'as compris? Ok, je peux le faire. Salut Swanik, bienvenue. Si tu touches, tu payes. Bienvenue sur le stream. Ça faisait un bail. On peut pas toucher, mec. Hein.
Star, ça va être de devenir plus systématique que Nostal. A voir. A voir. Tellement d'amour dans ce jeu, j'en ai des frissons. Alors, c'est qui ? Ça dépend. Ça dépend de quel amour. Hein. La partie Abby dans partie 2 va super bien rendre dans la série. Par contre, je suis moins confiant avec Ellie. Moins de scènes marquantes. Moins de scènes marquantes, mais il y a un acting qui peut être très 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 fort hein, de Bella Ramsey, parce que la Ellie de The Last of Us partie 1 et la Ellie de The Last of Us partie 2, c'est quand même deux Ellie différentes. Donc elle a parfaitement bien intégré le rôle de Ellie partie 1. Très hâte de voir ce que ça va donner pour la partie 2. Je cherche Robert. Vous l'auriez pas vu ? Il y a une demi-heure. Il est retourné au quai. Il y a encore. Un jeu que son passage PC était bien, c'était Days Gone. Ouais, putain, ça me donne envie de le refaire, Days Gone. On pourrait peut-être se le refaire plus tard. Hein. Tu en penses quoi de la série The Last of Us ? J'ai adoré. J'ai toutes mes critiques sur Naughty Dog Mag, avec les débats qu'on a fait avec Linou, etc. N'hésitez pas à aller la voir. Hein. Moi, j'ai adoré. A de suite, Reda. C'est parti. Faut qu'on passe. Vous feriez mieux de faire demi-tour et de rentrer chez vous si vous tenez à la vie. On vous fera pas de mal. On veut juste Robert. Ne faites pas ça. Faites demi-tour et foutez-moi le camp. Hors de question que je parte sans Robert. Hey, je vais vous défoncer le crâne si vous dégagez pas d'ici immédiatement. Et merde. Planquez-vous. C'est pas la faire chier, Tess, aussi. Je te couvre. Élimine-les. Continue, Tex. Toi aussi. Comment il a fait pour tous les rameuter ? J'ai platiné les deux. Salut Arcro ! Bienvenue. J'ai platiné les deux, j'ai des avis bien tranchés. Ces jeux m'ont bouleversé comme des millions de personnes, mais aussi grâce à toi et Naughty Dog Mag. Oh bah merci beaucoup, Swanny. Ça fait super plaisir. La saison 2 reste encore plus poignante. Ouais, je pense que la saison 2 elle va être d'une violence inouïe. Le PlayStation Showcase de juin va être magnifique, je sens surtout que Microsoft a risqué d'envoyer du lourd aussi. Alors attention, pour moi c'est pas encore validé, donc nous nous emballons pas quand même. Les critiques et les débats sur Naughty Dog Mag sont très intéressants, surtout le point de vue de Linou qui n'a jamais joué au jeu. Ouais, faut jouer avec elle, voir si du coup elle va faire les let's play ou pas. Hey, aide-moi à monter. Ok, bien. En fait, d'un côté, j'ai tellement pas envie qu'elle les fasse pour découvrir en fait ses réactions semaine après semaine avec la partie 2. Mais à la fois, j'ai tellement... Enfin, il faut tellement découvrir le jeu, je sais pas. Je suis trop... Je verrai un peu si... Il faut que je lui envoie un message, savoir si elle va le faire ou pas. Ok. Putain. T'es mal à la taille du rat, quoi. C'est pas des petits rats, ça. Des gars de Robert. Merde, je les vois. Comment tu sais qu'ils arrivent ? J'ai le même truc que toi. Ah ouais ? En essayant de Je te garantis qu'elle et Joël sont en chemin pour choper Robert. Putain. T'as des bons coups, ça veut dire. On n'aurait pas dû prendre ce boulot. On n'a pas de choix. On était pressé, Texas. Séparons-nous pour s'assurer que personne ne rôde ici. Avance, avance. Bah grave, je lui ai déjà envoyé les let's play et ouais, il faudrait qu'elle fasse au moins le 1. Parce que comme je l'ai dit dans ma critique finale de la saison 1, au fait, pour moi, Jordan Street et tout un tas de soldats, pour moi en fait, ils sont complémentaires les jeux. Le jeu et la série. Laisse-moi deviner. T'es à Marseille aussi. Ouais. Putain, oui, c'est vrai que j'avais fait mon tatouage à Marseille. Et dites-vous, truc super cool, ma tatoueuse... Putain.
m'a écrit. Ouais, c'est comme ça partout. Alors la tatoueuse que j'ai vu qu'une fois quand même. Je l'ai vu qu'une fois, enfin oui qu'une fois pour mon tatouage, parce que elle me l'a fait en une journée. Et du coup elle m'a renvoyé un message en février pour me dire que justement elle était en train de découvrir la série avec son copain et des membres de sa famille et qu'elle voulait savoir ce que j'en pensais aussi, donc ça m'a trop fait plaisir, c'est trop cool. Je l'ai fait il y a quelques mois, j'ai souffert. Moi en vrai j'ai pas du tout souffert, c'était mon premier tatouage et j'avais un petit peu angoissé. Et pareil, la tatoueuse, quand je suis arrivé et que je lui dis c'est mon premier tatouage, j'étais un peu paniqué parce que bah, c'est quand même tout bras quoi. Moi j'ai vraiment fait la taille exacte du tatouage. C'est-à-dire que je me suis servi du patron que Naughty Dog avait publié sur leur site, etc. Et donc quand elle m'a dit ah mais t'as jamais été tatoué, c'est ton premier, elle me fait c'est très rare ceux qui commencent pour premier tatouage comme ça. Et finalement, ben, ça s'est très bien passé. Elle m'a dit que je pouvais revenir quand je voulais parce que apparemment j'avais une peau de très très bonne qualité, j'avais pas bougé ni rien. Et du coup, bah, on a fait ça en 7 heures. En 7 heures avec une petite pause d'une demi-heure à midi pour manger. Ah, t'en avais déjà deux toi? Ah non, moi c'était la première. Hein. C'était le premier, c'était en mode YOLO. En fait, The Last of Us et The Last of Us Partie 2 m'ont trop marqué. Et surtout l'année dernière, quand j'ai pris la décision, je sortais d'un moment de ma vie un petit peu compliqué. Et pour moi, ça marquait un petit peu le départ à zéro. Surtout la symbolique. Bon, techniquement, dans le jeu, la symbolique du tatouage, c'est la mort. C'est pas très joyeux. Mais en fait... La véritable signification de tout, c'est le papillon de lumière, c'est il t'éclaire dans l'obscurité. Un peu le. When you're lost. Lorsque tu es perdu, suivez la lumière. Look for the light. Et du coup, tout ce qui est le lierre et la végétation, c'est en général quelque chose pour te montrer que dans la vie, en fait, même si tu fais face à des obstacles, t'as toujours moyen de t'en sortir. Qu'est-ce que tu vas te faire découvrir? À 7 heures de tatouage, surtout quand c'est ton premier. Bien placé. Je ne te cache pas que... Bah que tu les sens passer. Hein. Tu les sens passer quand même. Oh. Tu laisses un peu passer, mais ça allait. Et salut Valentin, bienvenue sur. Wow, putain, j'avais pas vu. Où est-ce que t'es? On va se calmer. On va pas se calmer, mec. On va pas se calmer. On aurait dû emmener d'autres gars avec nous. Ils auraient ralenti. Est-ce que tu étais un bon client? Bah écoute, apparemment oui, puisque c'est même elle qui m'a renvoyé un mail pour me demander ce que je pensais de The Last of Us et qu'elle m'a dit que je pouvais revenir. Mais je suis quelqu'un de trop cool, moi, dans la vraie vie, en fait. Enfin, sur internet aussi. Voilà, en fait. Tout le monde, voilà. Bien sûr que j'étais trop cool. Est-ce que tu as des développements sur des infos? Alors non, malheureusement, j'ai absolument rien. Je pense que on pourrait avoir des petites infos en juin, mais je n'en sais pas plus. En fait, c'est parce que c'était plus long que mes autres tatouages. Je pense que c'est pour ça que j'ai eu mal. Bah en fait, notre corps est un petit peu rodé pour résister pendant 3 heures, je crois, à la douleur. Et au-delà de 3 heures, en fait, tu n'as plus en fait cette hormone. Putain, c'est laquelle? Je me rappelle plus c'est quoi le nom de l'hormone qui est un peu une hormone de, on va dire de d'adrénaline qui fait qu'au final tu ressens pas trop la douleur. Mais après au bout de 3 heures cette hormone on va dire, est épuisée et donc ça devient plus compliqué.
Et moi, du coup, c'est pour ça que on avait commencé en fait par la main, parce que l'endorphine, je crois que c'est ça. Je crois que la dopamine. Non, mais c'est l'endorphine, je crois. Et en fait, j'avais commencé parce que là, vous savez, il y a la petite boule en fait. Je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, pareil, toute la partie de la main, apparemment, c'est la plus douloureuse. Ou l'endorphine, putain. Oui, c'est l'endorphine, ouais, c'est ça. Et du coup, on avait commencé par là. Et en fait, en gros, moi, ça allait. Franchement, j'ai pas trop souffert. Il faut qu'on réfléchisse. Nail nous balade un peu pour se dire, mais carrément. Mais carrément qu'il nous balade. Même chose au sud. Moi, je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, dans un vrai ou faux. Tu annonces pas un jeu quand, enfin, tu annonces pas un jeu qui est en pré-production. 95% de la population ne sait pas faire la différence entre un jeu en production et un jeu en pré-production. Donc je vais voir, je crois. Il est par ici. Derrière cette caisse. Quoi, je me suis loupé. Il s'est loupé. Pourquoi il s'est loupé sur son jeté de bouteille? Pas vu The Last of Us. En plus, c'est le remake. Je sais pas si tu as fait ou tu as vu le remake, mais ça vaut 10 fois plus le coup. Voilà, c'est ça qu'on voulait voir dans la série. Et salut, Master Juki. C'est pourtant pas compliqué la différence. Quelle différence? Oui, bah, c'est pas compliqué parce que forcément tu es dedans, etc. Mais pour un joueur lambda qui lui se contente de simplement vouloir jouer au jeu et non qui ne regarde pas l'industrie, bah, si tu lui dis le jeu est en pré-production, le jeu est en production, pour lui la pré-production, c'est-à-dire que ça a commencé à être développé et puis voilà. Il peut pas savoir que la pré-production, ça signifie qu'en réalité le jeu il est juste en projet et que jamais il aboutira pas. Oh, et coucou mon guignard, mon pixou. On veut juste te parler, Robert. On n'a rien du tout à se dire, putain. Vu que je sais faire la différence. Et merci, merci, c'est avec plaisir. Il se barre. Robert. Joël, par ici. Hop là. J'avais participé à une vidéo il y a très longtemps, ça fait bizarre de revenir. Salut Robert. T'avais participé à une vidéo? Tess, Joël. Sur l'apéro du JV peut-être. Je pense. Ok. C'est quoi la différence entre The Last of Us par rapport à la série? Comment ça? Écoutez. Comment ça, Kenzo? La différence, c'est que The Last of Us partie 1. Tu veux nous dire où c'est la saison 1 et The Last of Us partie 2, ce sera la saison 2, saison 3. Oui, bien sûr, mais c'est compliqué. D'accord. Bon, écoutez, je vais tout vous expliquer. Je dois. T'es passé dans une vidéo il y a quelques années. Stop. Sur Rockstar Mag ou Naughty Dog Mag?
Je pense Rockstarman du coup. Arrête de gigoter. C'était quoi comme vidéo ? Je les ai vendus. Excuse-moi. J'avais pas le choix, je m'étais engagé. Envers nous. Mais t'as misé sur ouais, très incroyable le jeu. Ouais, d'accord. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. C'est peut-être ce que j'aurais fait si t'avais pas essayé de me tuer. Allez. Qui a nos armes ? Je peux pas. Donnez-moi juste quelques jours. Enfoiré. Nos petits amis n'existaient pas, je crois, Rockstarman. Ok. Nos armes. Et tu te rappelles, c'était quoi comme vidéo ? C'est les Lucioles. Si, j'ai une chaîne perso, oui. Je les ai vendus aux Lucioles. Quoi ? Tous mes réseaux sont là. Écoutez. Hop là. Ils sont presque tous morts. On a qu'à y aller et finir le boulot. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites ? Allez, on s'en fout des Lucioles. On va les chercher. C'est vraiment... Ce plan, il est excellent. Merde. Et maintenant ? On va récupérer notre marchandise. Ah, comment ? Ok, j'en sais peut-être. Rien. On peut leur expliquer. Ça commence à faire beaucoup de temps maintenant. Et beaucoup de vidéos. Écoute. Ok. Allons voir une Luciole. Pas besoin d'aller... Ah, c'était peut-être pour la sortie de Red Dead. Pour la sortie de Red Dead, qu'est-ce que la première chose que vous allez faire dans Red Dead, un truc comme ça ? Pourquoi vous êtes là ? Pour affaire. T'as pas l'air très en forme. Où est Robert ? Bah, j'ai commencé à lire, mais moi, techniquement, je sais ce que c'est qu'une pré-prod. Les donc, armes. Elle n'est voilà. pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. Ça m'aurait étonné. J'ai payé pour ces armes. Vous voulez les récupérer ? Faut les mériter. De combien de cartes t'as besoin ? Rien à faire des cartes de rationnement. J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi. Et je vous rends vos armes, et même plus. Comment être sûr que tu les as ? Non, c'est sur PS5, Younes. D'après ce que je sais, l'armée vous a décimé. T'as raison là-dessus. Je peux vous montrer les armes. Je dois y aller. Vous en dites quoi ? Je veux voir ces armes. Suivez-moi. On doit partir d'ici, maintenant ! Si vous êtes partant, il faut qu'on bouge. Je connais un autre chemin. Venez. Mon jeu préféré, ce serait compliqué en fait, ça varie un peu selon mes humeurs, mais c'est très compliqué de donner un jeu préféré. Sur ma chaîne perso justement, je crois que j'avais fait une vidéo de top 10 de mes best jeux ever. Forcément tu retrouves The Last of Us et The Last of Us Partie 2, tu retrouves Red Dead Redemption 2, etc. Crash Team Racing. Pourquoi tu crois en fait, que techniquement, je j'ai envie de dire Crash Team Racing parce que c'est le jeu de ma vie. Mais voilà, c'est un jeu de karting que c'est très pourquoi compliqué de le comparer à. On s'est fait discret. On pensait qu'il était la vie, 4 mais aussi, il ouais. des commissaires. Ils ont voulu nous pousser à bout. On dirait qu'ils l'ont fait. Il y a aussi Test Drive Unlimited qui pour moi est le jeu de ma vie. Ah oui, tu es vraiment au début du jeu. Ah oui, on a attaqué ce soir. On a attaqué ce soir, il y a même pas une heure. Donc tu en es au tout début, Valentin. Joël, donne-moi un coup de main. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand même de donner le jeu. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo avec mon top 10. Où j'avais essayé de classer dans l'ordre. Hey, même si c'est très compliqué. Ça ira. Jack 3, ah bien. Stop, des soldats.
On les fera, les Jack and Dexter aussi. Je l'ai dit, hein, sur la chaîne, on fera tous les jeux Rockstar, tous les jeux Naughty Dog. Plus bah, des jeux rétro, des jeux moins rétro, etc. On verra ce qui se passe. Allez, on y va. On doit atteindre cette porte. Non, ce fail, ce fail. Pourquoi cette action pourquoi cette action au début? Comment ça, j'ai pas compris, Younes. Oh merde, qu'est con, je me suis bien compris. Mais je joue très mal ce soir. Je suis pas dans un grand soir là. Pas compris pour le truc de l'action. Bah c'est de l'action. Ah bah oui, mais on est dans un jeu là. Il faut qu'il y ait forcément plus d'action que dans la série, parce que sinon et ça va être ça un petit peu tout le long, hein. Pas qu'au début, hein. Ça va être ça tout le long. Oh, des petits trucs à ramasser là, parce que c'est un petit peu la déche, hein. Ah oui, mais c'est vrai qu'on peut plus confectionner ici là, il faut oui, il faut un établi dans celui-là maintenant. Ah non, mais The Last of Us, ça n'a jamais été un jeu d'horreur. Vos débuts manquent, Chris. Bienvenue à toi. Comment ça, mes débuts manquent? Comment ça? Développer, argumenter. Qu'est-ce qui manque? Ah, débat. Oh oui, pardon. Ah, c'est moi, oui, c'est moi, désolé. Désolé, j'ai complètement mal lu. Débat, oui. Je veux dire, comment ça, mes débuts manquent. Ouais, c'est clair. Mais ça nous manque à nous aussi, hein. Adieu, mon ami. On devrait y aller, Marlène. Il y aura sûrement d'autres soldats en chemin. Un débat à ton âge, je suis... Ouais, non, mais écoutez, j'essaie de jouer, me concentrer, lire le chat. Franchement, c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Mais ouais, c'est vrai que ça manque, ça manque clairement. Surtout qu'on avait vraiment une... ah non, j'ai pas engueulé le viewer, c'est j'ai demandé si je comprenais pas. Je n'ai pas du tout engueulé. Je comprenais pas en fait pourquoi c'était les débuts, mais c'est moi qui ai mal lu. Mais et c'est vrai que ça nous manque aussi, hein. Ça nous manque terriblement. Parce qu'en plus on a vraiment eu une très bonne alchimie. Bon, avec Emma franchement elle fait partie de la team, donc on est assez proche, donc c'est normal. Mais avec Linou et avec Axel, c'est vrai que c'était vraiment génial. Et vivement la saison 2. Vraiment la saison 2. Et on va faire une ultime vidéo. Malheureusement, comme je l'ai dit, avec mon déménagement, ça a pris beaucoup plus de temps. Mais ça va aller. Mais on va faire une ultime vidéo, vous inquiétez pas. Où ça risque d'être sympa. On est presque arrivé. Attention, le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. Je l'attends depuis que tu l'as tise, ouais. Il y a...
Il y a un débat ultime qui va arriver vraiment sur la saison 1 et il y aura peut-être sans doute d'autres personnes. C'est quoi la marchandise ? Et après, on prépare aussi une très très grosse vidéo, mais j'en dis pas plus. Tu préfères le moteur graphique de Rockstar Games qui est Rage ou tu préfères le Unreal Engine 5 ? Pour moi, en tout cas, Rage est unique. Ah, je préfère Rage quand même parce que c'est vraiment un moteur propre à Rockstar, donc même si le Unreal Engine est ultra impressionnant. On va pas se mentir. Déménagement pour New York, malheureusement non. Je suis toujours à Montélimar, mais dans un appartement plus grand. Ah, Ellie. Elle est tellement incroyable dans le jeu. Adeline Chetaille. Adeline Chetaille. J'ai trouvé de l'aide. Et ce sera sans moi. Dans ce cas, je reste. Ellie. Sur la saison 1 dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on a fait épisode par épisode et là maintenant on va vraiment, et en plus avec un peu de recul, redonner notre avis sur la saison 1. C'est pas vraiment la porte à côté. Vous pouvez le faire. Vous la déposez et à votre retour vous aurez vos armes. Deux fois ce que Robert m'a vendu. Puisqu'on en parle, elles sont où ? À notre camp. On fera rien sortir avant que je les ai vues. Viens avec moi. Tu pourras acheter un œil aux armes. Et je pourrais me faire soigner. Mais pas question qu'elle traverse ce coin de la ville. Joël restera avec elle. Mon voyage de rêve. Moi, ce que je rêve de faire, c'est tous les États-Unis, en fait. En moto. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrais compter sur lui. C'est vraiment mon top voyage, mais il y a plein de trucs que je veux faire. J'ai envie de faire le Japon. Je rêve de voir la baie d'Along, qui pour moi, ça doit être incroyable. L'île de Pâques. J'aimerais trop faire l'île de Pâques. Attendez-moi là-bas. C'est pas vrai. C'est qu'une marchandise, Joël. Marlène. Assez discuté. Tout ira bien. Salut Maxime, je n'ai jamais joué à The Last of Us, mais la série était là, il me donne envie, Burger. Dépêche-toi. Tu vas découvrir avec nous The Last of Us et The Last of Us partie 2. Tu vas voir. Allez. Tu vas te régaler. Je peux juste te dire ça. Tu vas te régaler. Ah, c'était Ellie, la tête qu'elle fait, elle est incroyable. Elle est incroyable, j'adore. Je trouve que son modèle est incroyable. Oh, j'ai entendu les tirs, mais. C'était quoi ? Les Lucioles. Attention. Il va nous arriver la même chose si on ne quitte pas la rue. C'est toi l'expert. Ne prenez aucun risque et signalez toute activité suspecte immédiatement. Les blagues, c'est un peu plus tard. Hein. Par ici. C'est un jeu incroyable. Bah oui, c'est un jeu incroyable. Personne cachant ou aidant des criminels recherchés est passible de mort. Ne prenez aucun risque et signalez toute activité suspecte immédiatement. Où est-ce qu'on va ? Là-haut. On pourra atteindre le tunnel nord. Comment tu veux qu'on grimpe là-haut ? Donne-moi une minute. En vrai, si ouais, le Japon, j'ai pensé aussi, mais faire tous les États-Unis, c'est vrai que ça doit être quelque chose. Ah ouais, non mais. Faire la route 66, faire les petits villages et tout, tous les parcs nationaux. Et en moto, ce serait mon goal ultime, quoi. Ce serait mon goal ultime. Et bien entendu, vous faire un vlog gigantesque de tout ça pour que vous puissiez découvrir ça, bien entendu. Ce tunnel, il y a pas du trafic dedans ? La fameuse Harley Davidson, bah ouais. Des trucs illégaux ? Parfois. Et en mode Jackson Taylor, Sons of Anarchy. Non, c'est une première. Il se passe quoi entre toi et Marlène au juste ? J'en sais rien. En F1. Conduire une F1, ça serait. Ami ? Alors, comme ça, t'es ami avec le chef des Lucioles. Si vous voulez vous cotiser pour mes 30 ans en fin d'année, ils font des baptêmes de F1.
C'est seulement 10 000 euros la journée. Donc voilà. Si vous voulez me faire un cadeau pour la fin d'année, n'hésitez pas. Pareil, je vous vloguerai ça, bien entendu. Alors, au lieu d'aller sagement à l'école, tu décides de t'enfuir et de rejoindre les Lucioles. En parlant de moto, tu peux être américaine ou japonais? Bah, moi j'ai une japonaise, donc je veux dire plutôt japonaise. Mais j'en ai rien à cirer. Mais je suis très. J'aimerais beaucoup conduire une Harley. Bien. C'est ici. As-tu fait Horizon? Non, j'ai pas eu le temps. Pas encore. Ouais, c'est aussi cher parce que en gros, c'est une journée entière et en fait, ils mobilisent toute une écurie avec des formateurs, etc. Donc. Je tue le temps. C'est quand même une Formule 1, tu vas à 330 km/h. Je suis censé faire quoi? Tu vas pas faire comme ça. Je suis sûr que tu vas. Il y a une formation le matin, etc. Et c'est l'après-midi que tu conduis. Je crois que tu commences par de la F3. Enfin, c'est. Voilà quoi. Ta montre est cassée. Parler en dormant. J'ai horreur des cauchemars. Ouais, moi aussi. J'adore cette scène, les répliques, ouais. Tu sais, j'ai jamais été aussi proche de l'extérieur. Il fait tellement noir. Ça peut pas être pire dehors. Pas vrai? Bah, ça fait plus film The Last of Us puisque c'est un jeu narratif. Hey, uniquement narratif, là où Red Dead est open world narratif, même si Red Dead s'en rapproche grandement quand même. J'ai vu la marchandise, c'est énorme. T'es prêt? Ouais. Allons-y. Avec la musique de Gustavo, mais c'est. Vous avez vu que Gustavo Santaolalla est en concert hein, le 16 juillet. Moi j'ai déjà ma place. Je peux pas louper ça. Tu trouves pas ça bizarre qu'il nous confie cette mission? Marlène voulait le faire. Une série Red Dead Redemption 2, je crois pas, non. Enfin, ça serait pas, si incroyable. Elle a perdu beaucoup d'hommes. Elle a pris ce qu'il restait. Il reste les catégories 2 et catégories 3 en place. Et c'est entre 30 et 50 balles à Paris au Bataclan. Je crois que même si ça avait été 100 euros la place, je crois que j'avais déjà loupé son concert à Madrid l'année dernière. Je pouvais pas le louper cette année en France. Hein. Au point de rendez-vous. Elle a dit que des Lucioles avaient fait le voyage depuis une autre ville. La fille doit être importante. C'est quoi ton problème? C'était la fille d'une huile ou un truc dans le genre? Ouais, un truc comme ça. Ça va être encore long. Si tout se passe bien, on devrait te livrer à eux d'ici quelques heures. Ellie, une fois. Je vais regarder, j'habite pas loin. Bah, let's go. Hein. Et tu resteras près de nous. Faut juste se dépêcher parce que je crois qu'il restait pas beaucoup de place. Ok, c'est bon, montez. Allez, petite. Fais attention. C'est le dimanche 16 juillet. Cette pluie ne va pas nous aider. Non, et inutile de demander Younes à chaque fois. Hein. J'arrête pas de te dire que je peux même pas t'envoyer ton dessin parce que je suis en retard. Que ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo, donc tu te doutes bien que Welcome to Liberty n'est pas prêt et que je l'ai même pas attaqué en fait. Donc ça sert à rien de te demander, mis à part rajouter de la pression supplémentaire. Je sais que je suis en retard, je sais que vous l'attendiez,
J'ai encore plus hâte que vous vraiment de vous le sortir. Mais malheureusement, il n'y a que 24 heures dans la journée, je dors déjà pas beaucoup et non. Ici Ramirez dans le secteur 12. Demande un ramassage pour 3 vagabonds. Bien reçu. On peut s'arranger. On a largement de quoi vous payer. La ferme. Dans combien de temps? Quelques minutes. Désolée. Ça n'empêche heureusement que Joël a ce réflexe de sauter sur le mec, sinon Ellie elle prend une balle dès le début en fait. Je pensais qu'on allait juste les retarder ou un truc du genre. Merde. Regarde. C'est pas vrai. Marlène nous a piégés. Pourquoi est-ce qu'on fait sortir une gamine infectée? Je suis pas infectée. Ah non? Et le scanner alors? Je peux vous expliquer. T'as intérêt à faire vite. Regardez. Je me fous de savoir comment t'as été infectée. Ça date d'il y a 3 semaines. Non, tout le monde se transforme en 2 jours, alors arrête de mentir. Ça fait 3 semaines, je vous jure. Pourquoi est-ce qu'elle vous tendrait un piège? Je la crois pas. La morsure est 10 fois plus prononcée dans le jeu que dans la série quand même. Vérifiez les tranchées. Restez derrière moi. Rien du tout ici. On est sûr qu'ils sont passés par là? On peut voir votre frère, on poursuit les recherches. Cours, si on ne veut pas qu'il nous voit. Qui est là? Allez. Dans la tranchée. Oh. Faites diversion. Je le vois pas. T'as un visuel? Concentration, ouais. Il faut que je lève un petit peu mon niveau parce que depuis tout à l'heure je joue quand même comme une comme un caca quand même. J'ai découvert le jeu en remake, honte à moi franchement. Bah non, pas du tout. On peut passer franchement par là. Mieux vaut tard que jamais en fait. Vaut mieux. Et même si vous le découvrez que maintenant, il y a. Malheureusement en fait il y a tellement de jeux et de grands classiques qui sortent chaque année qu'on peut pas jouer à tous les jeux. L'importance en fait c'est de. Les découvrir tôt ou tard. Quoi ?
va pas rester ici pour le savoir. On a failli y passer, Tess. J'espère que ça vaut la peine. Une minute. Voyons où ça va aller. Tu recommences le jeu combien de fois ? Je l'ai dit là, c'est ma 11e ou 12e fois. Honnêtement, je... Au moins 11 fois, c'est sûr. Après, je sais plus exactement. Moi, j'ai découvert le jeu quand j'ai pris l'abonnement PS Plus qui était gratuit sur PS4. Je venais d'acheter ma PS4. J'ai joué sur PS3. Ouais. Moi, j'ai joué pour la sortie. Ça donne quoi ? Je crois qu'on peut passer par là. Mais c'est vrai que c'est un jeu quand même qui mérite d'être fait. Merde, merde. Encore des soldats. Même si vous n'êtes pas trop let's play, enfin, genre de jeu, matez-le en let's play. Matez-le en let's play parce que voilà. Moi je suis curieux de savoir ce qui t'a donné envie de recommencer. J'ai beaucoup de fois pour tester quoi. Par plaisir. C'est comme quand tu te refais une série ou un bon film. Bah moi je me suis refait un bon jeu en fait. Tout simplement. Déjà à sa sortie, je l'ai fini en un week-end et je l'ai refini la semaine d'après sa sortie. Parce que je crois que c'est la première fois de ma vie que j'avais été aussi impacté par un jeu, donc, tout simplement. Et comme il est sorti en juin, c'était l'été, je l'ai fait 2-3 fois dans l'été. Je l'ai refait en juillet et refait en août. Après, je l'avais refait avec une de mes ex, parce qu'elle connaissait pas. Puis après il est sorti sur PS4 où je l'ai refait pour plaisir. Je l'ai refait. Bah à l'époque j'avais une autre copine qui elle aussi bah, ne l'avait pas fait, donc je l'ai refait avec elle. Puis je l'avais refait par plaisir 2-3 ans après sa sortie, etc. Et là après bah, je l'ai fait en remake. Je l'ai refait en remake parce que il fallait tout simplement que je filme pour le fameux gros film de Naughty Dog Mag. Et ensuite... je le refais là. En même temps, 2013, j'ai kické GTA 5. Ouais, mais il est sorti avant GTA 5. Hein. Ils sont partis. Qu'est-ce que tu l'as fait pour... Alors, je crois que sur PS3, je les ai tous. Sauf le multi. Pareil sur PS4. Et sur PS5, il faut que je fasse un petit peu. Ouais. Elle a dit que qu'ils avaient leur propre zone de quarantaine. Avec des Yo Neos, ça va projet. Super et toi? Ouais, on a déjà. Bienvenue. Ça, hein, Tess. Et que quoi qu'il me soit arrivé, c'est la clé pour trouver un vaccin. Oh, je rêve. C'est ce qu'elle a dit. Mais j'en doute pas. Eh, hey, je t'emmerde. J'ai jamais demandé ça. Moi non plus, Tess. Tu peux me dire ce qu'on fout ici. Et si c'était vrai? J'arrive tant. Mais pense-y. Joël, enfin, maintenant qu'on est là, autant en finir. Tu veux que Idem crise, pourtant, je suis un vieux. Dehors. J'ai geek depuis la PS1, mais c'est de l'eau m'a bouleversé. Ça va, un vieux, si c'est depuis la PS1, ça va. T'as quel âge? Je geek aussi depuis la PS1. Attention à ce que tu dis, hein. Tu vas me vexer, hein. Ça va, super petite question. Je viens d'acheter une Xbox One X. Vous auriez un casque à me conseiller, budget max 100 euros. Bah si le casque Xbox est compatible avec Xbox One X, il me semble que oui. Le câble Xbox, hein, qui est plutôt pas mal. Hein. Après, je te conseille de prendre des comparateurs, voir un petit peu. Oui, le casque Xbox filaire. Ouais, il y a le casque Xbox filaire à 50 balles. Et le casque. Le casque, comment ça s'appelle, sans fil, à 100 balles. Ils sont immenses. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ils ont largué un maximum de bombes. Ah, c'est comme dans la série. Hey Chris, tout le monde, tu joues en quelle difficulté? Là, je suis en normal. Normal parce que l'idée. En stream, c'est pas de passer 15 ans sur les gunfights. Là, je suis en normal. Qu'est-ce que c'était que ça? Tess, t'entends ça? Ouais. Mais ça venait d'assez loin. Merde. J'ai joué à la Sega Mega Drive avant que je jouais sur CPC. Ah oui. Ouais, bon. C'est pas simple. Là, j'ai que moi. Le sans fil, il est à 99 balles. Hein.
coûte à 99 balles. Un The Last of Us Part 3 serait pas de refus. Oh, mais c'est sûr que ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver. Super haut. Bon, voilà le Capitole. Ouais, on va devoir faire le tour. Oh, qu'est-ce qu'elle fait, Ellie ? Elle a sauté sur place ? C'est le centre ville, ça ? C'était plus qu'un vaste. Par ici. Quarantaine. La fameuse zone. Tu vois quelque chose, toi ? Non. Continue. Je peux faire quelque chose ? Contente-toi de rester avec elle. Oui, chef. La voix d'Adeline, elle va tellement bien à Ellie, je suis tellement content que ce soit elle qui ait fait la voix d'Ellie. Hey Tess ! J'arrive. Massacré. Ah ouais. Ça va, 80 euros le sans fil. Ah, il a encore baissé ? Ouais, peut-être bien. Prenons pas ici. Ah, du coup, t'as 18 euros d'économie, tu peux prendre un abonnement Game Pass. Les décors, ils sont vraiment... On dirait que ces types sont morts en attendant les renforts. Merde. Mais merde. Un claqueur. Merde. Qu'est-ce qui est arrivé à ce village ? Ça donne ça, des amis d'enfants. Mais alors, ils sont... Si on... Il se repère au son. Comme les chauves-souris ? Comme les chauves-souris. S'il y en a un qui claque, cache-toi, sinon il te repère. Merde. On dirait que tout le bâtiment est sur le point de s'écrouler. Attention à la tête. On voulait voir aussi en série, bordel. Merci. Ça va ? C'est rien. Allons chercher des vivres. La vache ! Comment c'était tendu ! Comment c'était tendu ! Remets-toi sur pied. Ah. C'est sympa. Oh merde. Merde, ça l'a pris une coubrie dans la gueule. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'infectés de claqueurs dans le 1, mais plus dans le 2. Non, non, dans le 1, il y en a beaucoup. Tu vas voir. T'inquiète, c'est le début. Tu vas voir. Là, ça fait qu'une heure et demie qu'on joue, hein. C'est le début de l'aventure, mais... Ok.
quand même. Moi je trouve que c'est même l'inverse, je trouve qu'il y en a plus dans l'un que dans le 2. Dans le 2 j'étais un petit peu déçu en mode un moine infecté. Allez, foutons le camp d'ici. Des balles dans la tête, des claqueurs, des coups de pied, ça manquait dans la série. Ouais. C'est vrai que ça manquait un petit peu de... Ah bon, ça... Oui, de violence, quoi. Bon, regarde s'il y a un moyen de passer. La voie est libre. Allez, Ellie. Ok, à ton tour. Allez. C'est ça. Ok. Allez, mon grand. Allez. Ok. Ok. Le placard ? Oh merde ! Go, go, go ! Aussi ça manquait de points comme ça là, de moments intense et que la cœur rôle tout autour et que tu dois les éviter. Deux balles dans la tête. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Deux balles dans la tête, il est pas mort et en plus il m'a one shot ? Quoi ? Bon, on va éviter de l'emmerder. On va éviter de l'emmerder, hein. C'est bon, j'ai compris. Mais arnaque quand même. Je suis même pas un hardcore, mais j'ai pas compris là. Normal, mais il faut combien de balles pour le tuer cette affaire là? Merde, mais qui est con, mais qui est con. Ça en fait. Hein. Je crois que c'est bon. Ellie, tout va bien ? Il a gilet par bas le claqueur. C'est trop ça ! C'est trop ça ! C'est parti. J'ai un bug de micro ? Bruit d'avion ? Ah bon ? Et voilà, mesdames. Okay. Comment ça ? Allez. Comment ça ? Là encore ? Ah ouais. Ça va mieux ?
Là, c'est bon? Ok, c'est ça qui... C'est le câble qui... Ok. Ok, ok, ok. Bon, si ça va mieux, c'est tant mieux. Ouais, c'est le... T'as tapé dans... Ah, j'ai tapé dans le micro. Ah, ça doit être ça. Ça m'arrive souvent. Tout à l'heure, vous parliez du nombre d'infectés. Dans le premier, il y en a beaucoup quand même. Je sais pas si vous parlez... Je pense que dans le premier, il y en a plus que dans le 2. Faut pas boxer le micro. Bah, je boxe tout, moi. Je boxe les infectés, je bosse le micro. Mais ouais, je pense quand même que... Qu'il y en a plus dans le premier que dans le 2. C'est haut quand même, hein. Dans le 2, je trouve que c'est plus centré sur les humains. T'as les wolves, t'as la secte des séraphites, t'as... C'est plus, voilà, c'est plus des factions et des guerres de factions entre elles. Et donc du coup, t'as aussi les infectés, mais je trouve que les infectés sont quand même un petit peu en retrait. Bah après, chacun sa perception, chacun... Pareil, est-ce que tu as fait The Last of Us partie 1 et partie 2 dans la foulée ensemble? Peut-être que dans tes souvenirs, il n'y en avait plus, etc. Les cobras, effectivement, oui. Il y a les cobras aussi. Il y a beaucoup de factions humaines, en fait. Fait un jour après. Ah ouais? Et tu trouvais que dans le... Bah peut-être que c'est moi. Et non, moi je les ai fait encore en septembre. Ok, bah écoute. Oh là là, j'avais pas vu lui. Allez, qu'est-ce qu'il fait? Ce bâtard. Ah, ben voilà. Ok, descendez. Tirons-nous d'ici. Dire que la séquence avec les humains sont beaucoup plus dures et beaucoup plus intenses. Les infectés dans le 2 sont plus faciles à gérer que dans le 1. Alors, plus facile, je sais pas. Il y a quand même des séquences, mais en fait, j'ai l'impression que dans le 2, justement, il y a moins de séquences avec les infectés, mais qu'elles sont beaucoup plus intenses et beaucoup plus compliquées que dans le premier. Oh, quand on va faire le 2, j'ai eu un organe comme carrément je l'attendais.
Ok, Tess, go. Ah bah c'est sûr que il y a eu une grosse attente. Il y avait quand même 4 ans d'attente entre non plus hein. 2013, 7, 6 ans. 7 ans, 7 ans d'attente entre le premier et le deuxième. Je te conseille le casque BioPlay HFS. 489 pounds. Son budget est de 100 euros, c'est juste 5 fois trop cher en fait. On aura sûrement besoin. Ouais, on va en avoir besoin. Un petit surin. Le mode écoute, je l'écoute jamais, donc on s'en bat les couilles. C'est là. Attention. Ça, je me disais que... Les micros, le micro de top tier, c'est les choux. On pourrait peut-être souffler un peu. Ah mais là, ça parle de casque. Tu veux souffler un peu? Je vous laisse, les enfants reviennent de l'école. Ciao. Bah, à bientôt, Private Eyes. Merci à toi d'être passé. À très bientôt. J'attends de le voir pour le croire. Je fais quoi depuis tout à l'heure? Je tourne en rond en fait. Je lis le chat à moitié, du coup je suis pas concentré. Ils sont où Ellie et Tess? Ils sont où? Je les ai perdus. Ah. Oui, on redescend elle. Con, putain, mais je vais y arriver ou je suis complètement perdu là. J'étais en train de contrôler sur le chat, je sais plus où je suis. Ah voilà. Par ici. Tess, j'avais oublié, ouais. Voilà, Tess, c'est bon. Par ici. Cocktail Molotov qui s'avère être très utile. Par ici, tu les vois. L'excuse du chat. Mais oui, mais hé, en vrai, c'est pas facile d'être concentré à la fois dans un jeu et à la fois dans un chat. Parce que j'ai pas envie à la fois de jouer et vous ignorer. J'ai pas envie non plus que de parler juste avec vous et de pas jouer. On va faire les deux en même temps. Et c'est compliqué, hein. Get out of here!
Ça stresse quand tu vois pas ce qui arrive derrière et tout. Joël, par ici. What? What? Putain, je l'avais pas vu lui. Dégage l'échelle, non? Voilà, très bien. Alors ça, bravo. Idéal pour les faire monter. Je te félicite pas, Joël. On a ramassé là. Par où, Tess? Le capital est dans cette direction. Je suis totalement fan de toutes les œuvres post-apo, toutes les séries, tous les films. Je dévore tout, ça me fascine. Moi, j'ai très hâte de la série Fallout. Ça va être incroyable. Ce sont les inspirations des films, genre je suis une légende, les immeubles en ruine, tout ça. C'est vrai que. En série. Après, je serais beaucoup moins fan si demain ça vient arriver en vrai, quoi. Putain! Je me précipite trop, faut que je fasse. En vrai, les IA, ça me fait de plus en plus peur. Hein. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas ça assez au sérieux. Genre là, je sais pas si vous avez vu, mais il y a Google, il y avait un truc d'une IA avec Google où l'IA a commencé à développer une conscience en fait. Et quand le mec de Google l'a annoncé à l'entreprise, ils l'ont pas prise au sérieux, je crois qu'ils l'ont même viré, un truc comme ça. Et en vrai, on rigole, mais,
Mais la fiction peut... Enfin, prenez Terminator. C'est quand même exactement ça. C'est une IA qui développe une conscience et qui décide tout simplement de retourner la technologie contre les humains. iRobot, c'est pareil. Et du coup, en fait, moi, quand on développe une IA qui commence à développer une conscience et qu'on prend pas ça au sérieux, je suis en train de me dire, putain, mais soyez pas con, merde. Soyez pas con. Enfin, je... Hein, on est pas dans Terminator, mais bon, il y a quand même une IA, c'est-à-dire une intelligence artificielle, qui est dotée d'une conscience, donc ça veut dire qui va pouvoir réfléchir, qui va pouvoir apprendre. Enfin, le jour où une IA commence à apprendre toute seule, c'est fini. C'est fini parce que les ordinateurs sont 10 fois plus intelligents que les humains, et le jour où il y a vraiment une IA qui commence à apprendre tout seul, et merci Dragon de Feu 2005, merci pour le follow, c'est clairement fini quoi, et moi ça me fait effectivement très flipper, vraiment. Pour moi, ça me fait plus peur une fin du monde comme ça que l'apocalypse. Pour moi, en fait, on y est déjà le... J'irai pas jusqu'à l'effondrement, mais... Enfin, excusez-moi, mais depuis la crise des Gilets jaunes, on vit un petit peu dans un pays en comment ça s'appelle ? En guerre civile. Enfin, faut voir ce qui se passe. Le nombre de manifestations, c'est pas constant, mais il y en a de plus en plus. Les prix de la vie quotidienne s'envolent, enfin le climat on a déjà perdu, de toute façon, voilà. Hein. Le truc c'est que ça va pas faire comme dans les films catastrophes où ça va arriver du jour au lendemain, c'est que ça va être très progressif, on va pas s'en rendre compte, mais le climat c'est déjà perdu. Moi ce qui me fait vraiment peur, c'est en fait ça va être le toujours aller toujours plus loin dans le développement des technologies qui nous dépassent en fait. Vraiment. Ok, voyons ce qu'on a. Tu t'es fait mordre ? Non. Je suis allée lui demander de l'aide après. Ça m'étonne qu'elle t'ait pas descendue sur place. Vitesse de rechargement, capacité du chargeur, carrément. J'espère qu'elle va bien. Je te l'ai dit, elle va s'en sortir. C'est pour ça, hein. Vivons comme chaque jour comme si c'était le dernier. Ne nous prenons pas la tête. Ne perdons pas du temps avec des choses qui nous concernent pas en fait. Quand je vois les gens perdre leur temps sur Twitter, quand je vois les gens qui passent leur temps à juger les autres, enfin, occupons-nous chacun de notre cul. Essayons de... Le but de la vie, c'est quoi? C'est de passer... C'est notre passage est éphémère. On est là pour une durée qui peut s'arrêter du jour au lendemain. Et pour moi, la vie est un jeu. Et le but du jeu, c'est de cumuler le plus de journées en étant heureux. Et pour ça, c'est de s'entourer de personnes positives, en étant nous-mêmes positifs, en s'occupant de nous, s'occupant de nos proches, et en arrêtant d'être négatif, de juger les autres, de... Voilà, quoi. Pour moi, c'est ça, donc... Et plus que jamais, on vit dans un monde qui n'est pas simple, et qui... Donc voilà, essayons d'être le plus positif possible. Je suis d'accord, on commence à nous parler de pénurie d'eau, ce sera réel bientôt. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça va être bizarre quand même. Hein. Profitons, j'allais dire pareil, profitons de ce qu'on a arrêté, je veux pas mourir, j'étais désolé. Je pense qu'il faut être un minimum intelligent et de se dire que c'est le dernier de nos soucis GTA. Si vraiment on arrive dans un monde assez misère où tes proches, tes parents, etc. seront à crever la dalle, je pense que GTA, tu t'en battras un petit peu les couilles, un peu comme tout le monde. Je pense. Hein. Pour ça, ne nous prenons pas la tête. Soyons positifs, diffusons. Désolé, c'était moi. Je pense que j'allais dire, faut en profiter. Mais oui, c'est ça. Reste avec moi. Faut en profiter.
On va faire un petit cocktail Molotov. On va faire un petit cocktail Molotov. Imagine moi fils George The Last of Us en imagine un monde apocalyptique du George The Last of Us en faisant. Ce serait terrible hein. Moi c'est sûr, il y a The Last of Us qui arrive, je pense que je meurs au bout d'un an même pas. Hein. Moi je. C'est seulement ce. Enfin, qui... enfin. J'ai envie de dire, est-ce que j'ai envie de vivre en fait dans un monde comme ça? Clairement. Est-ce que j'ai envie de survivre dans un monde comme ça? C'est ça aussi la question. C'est que demain, il y a une guerre nucléaire à la Fallout, où on doit vivre dans des abris, etc. Enfin, ça... en vrai, peut-être que ça peut être vraiment cool. En fait, j'adore cette partie des Fallout, où on est dans... où on est dans la partie okay, atomique. Mais est-ce que vraiment... dans le monde The Last of Us, est-ce que vous avez envie... de vivre dans un monde comme The Last of Us. Vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis un grand éternel, et même quand ça va pas, si je suis un peu déprimé et tout, je me dis, la roue peut toujours tourner, il y a toujours un moment où il faut s'accrocher, parce qu'il y aura toujours un moment où ça ira mieux. Mais dans The Last of Us, là, clairement, voilà, quand j'ai des petites baisses de morale, il y a toujours ce côté où voilà, il y a un jeu qui va sortir, il y a un film qui va sortir, une série qui va sortir, où je vais faire telle ou telle chose avec des proches. Enfin, je me dis, il y a toujours. Mais dans The Last of Us, si vraiment on en arrive dans un moment où finalement c'est fini, qu'il n'y a plus rien, clairement, est-ce que je sais pas. C'est-à-dire survivre, tous les jours se réveiller, la boule au ventre, de se dire est-ce que ce soir tu seras en vie, mais est-ce que aussi ce soir tes proches seront en vie? Non, clairement, je pense que c'est... Ouais. Et merci Maxime sur le resub, sur cette conversation tellement joyeuse. Et yo les Mi Win, salut Chris et bonjour à tous dans le chat. The Last of Us encore tourne mieux sur PC après son lancement catastrophique. Ouais mais il tourne toujours pas foufou quoi. Je sors pas de chez moi vraiment tellement de peur. Ah ouais, tu sors pas de chez toi, mais le truc c'est que dans le monde à The Last of Us, même chez toi t'es pas en sécurité hein. T'es pas en sécurité, puis faut se nourrir, faut boire, faut tout ça quoi. Faut tout ça, donc je vais à la recherche de claqueurs avec des armes. C'est parce que t'es un petit genou rebelle et tu penses que la vie c'est un kiwi. Sauf que en fait quand tu joues à The Last of Us ou que tu regardes The Last of Us, tu te rends compte que ce que tu as envie de faire, partir à la recherche des claqueurs avec des armes, c'est la pire connerie que tu puisses faire. Parce que tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Et le jour où tu vas tomber sur 10 claqueurs en même temps, bah tu perds la vie. Bah moi je tente de survivre dans mon coin. Clairement. Voilà, je tente de survivre dans mon coin. Je fais en sorte de protéger mes proches. Et voilà. Je pense que je cherche une communauté comme Jackson. Voilà. Mais est-ce que ce sera simple? Est-ce que ça existera? Voilà. On recrée une communauté pour souder pour ce... Exactement, Tico. Exactement. Bonsoir à tous, passage rapide car je vais me coucher, je suis claqué. Joli. Bravo. On peut pas parler au chat et... Ok, d'accord, mais les gars, vous êtes un peu vénère. Putain, mais vous êtes combien là? Super, en plus c'est vraiment moi qui suis dans le placard à balai quoi. Ah mais sans déconner, laissez-moi tranquille.
Ça va ou... C'était bien trop juste. Mode réaliste. Non, là, pour le stream, je suis en mode normal, hein, parce que si je suis en mode réaliste, c'est pas que je speedrun le jeu, mais j'essaie de pas trop non plus... Comme on est en stream, j'essaie de pas finir le jeu en 10 streams, de le faire en 3-4 streams. Donc on le met en mode normal, sinon ça prend beaucoup trop de temps. Hop, on va prendre ça. On recrée une communauté, donc ça je l'ai vu. Le 30 mars, c'était la journée des modos. Oui, bah d'ailleurs je vous l'ai souhaité sur le Discord. Belle journée des modos. Malheureusement, on ne streamait pas. C'est dommage, hein. C'est dommage. On aurait fait une fête. Ça nous mènera au toit. Hop, on sépare ici. Moi je préfère vivre avec les zombies de The Walking Dead. Oh, très clairement, je pense que même avec les zombies de Walking Dead, enfin, j'aimerais pas vivre dans cette fin du monde en fait. Faut trouver un moyen de traverser. En fait, pour moi, c'est un monde fascinant en série et en film que j'adore, mais dans la vraie vie. Bah c'est fini en fait. C'est fini. T'as plus aucun plaisir de la vie. C'est bon. Là comme je dis, le jour où t'es un petit peu déprimé, tu te dis bah voilà, t'es déprimé, tu te dis dans quelques mois GTA 6 va être annoncé, ça va te faire plaisir. Dans quelques années il va sortir, ça va te faire plaisir. T'as toujours un moyen de... Mais là, dans un monde post-apocalypse où tout est arrêté, tu fais quoi en fait, mis à part tous les jours survivre? C'est horrible. Et bonne soirée mon Gif, à très bientôt, merci d'être passé en coup de vent. Alors, est-ce que c'est de ça que tu rêvais? Ça reste à voir, mais... La vue est magnifique. Allez, par là. Hé, traîne pas. On y est presque. Reste concentré. À vos ordres. Et merci les chats TV pour le raid. Trop bien. Les chats TV, c'est quoi? C'est une web TV avec des chats? Allez. Test la patronne, mais carrément. Bienvenue à tous, hein. Bienvenue à la commune des chats TV. Si quelqu'un peut m'expliquer le concept. Parce que... Et bienvenue Ryu. Parce que clairement le pseudo me rend curieux. Les chats TV. Coucou les chats TV. Merci beaucoup pour le raid. C'est super sympa. Veux-tu décliner le comment ça s'appelle le concept? C'est un duo de stream. Il y a deux chats qui se baladent partout. Quoi? Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est trop bien. On va follow ça. Hein. On va follow ça et on va aller voir. Hein. Ok. Faudrait créer. Ça me titille. Ça me rend curieux. Je vais aller voir ça un petit peu. Les chats TV. Ça va être trop drôle. Bah, bienvenue en tout cas. Merci beaucoup pour le raid. Nous sommes en plein let's play de The Last of Us. On a attaqué l'histoire ce soir. Et toute la semaine, tous les soirs de 20h à 23h, on sera sur The Last of Us. Et là, on était dans un débat assez incroyable avec si c'était la fin du monde, est-ce que l'on aimerait vraiment vivre? C'est toi qui anime les podcasts Naughty Dog? C'est moi sur Naughty Dog Mag, effectivement. Effectivement. Tu as vu juste. Donc voilà. Sur Naughty Dog Mag. Et donc voilà, on fait... On parle de toute l'actualité des jeux, des films et des séries Naughty Dog du coup. Donc voilà. Merci à toi. Et effectivement là il y a le petit réseau. Et merci pour le follow du coup. Et le petit réseau qui te permet d'avoir tous mes réseaux. C'est moi qui ai également Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et mes réseaux perso. Et là on est sur ma petite chaîne Twitch perso qu'on a lancée il y a deux petits mois. Et tous les soirs de 20h à 23h on se fait un petit kiff sur plusieurs jeux. Pas que des jeux Rockstar et pas que des jeux Naughty Dog. Mais voilà. On s'est refait The Last of Us ce week-end aussi en stream. On attaque le 2 le week-end prochain. C'est bon ça. C'est très très bon. Alors Reda, faut tout attacher. C'est Naughty Dog Mag tout attaché.
est très très bien pour refaire The Last of Us. Bah du coup je serais très curieux de voir deux chats jouer à The Last of Us. Vraiment. Je suis très curieux de voir ça. Je suis très curieux de voir ça. Et du coup, on était en train un peu de débattre sur la fin du monde et on se disait que c'est bien en film et en série, non, mais non. Aucun intérêt dans la vraie vie, quoi. Et merci à Dauphin, Adopi pour le follow. Ou un truc pour nous dire où ils allaient. Jusqu'où ça va aller. Ah non, on est deux humains, on a deux chats dans l'appart. Ah, moi je croyais que c'était des chats qui jouaient. Bah, je viendrai quand même voir, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fout ici? C'est pas pour nous, tout ça. Qu'est-ce que tu sais? C'est peut-être un des mags, là. Je me rappelle même plus mes commandes. Peut-être un des mags. Écoute, on est des ordures, Joël, et ça fait trop longtemps que ça dure. Non, on est des survivants. C'est notre chance. C'est terminé, Tess. Eh ben bonne soirée et merci beaucoup en tout cas pour le raid et je viendrai voir votre chaîne, je suis très curieux. Merci beaucoup, à très bientôt. Bon là nous on arrive dans un moment un peu critique. Hein. Bien vu Picsou, voilà c'est Picsou qui y arrive. Mais enfin qu'est-ce que... Ah ce moment aussi là. Fais-moi voir. C'est con, hein? Donne-moi ton bras. Ça fait 3 semaines. Je me suis fait mordre il y a à peine 1 heure et regarde, c'est déjà pire. C'est pas des conneries, Joël. Tu dois emmener cette fille chez Tommy. Il traînait avec ses types. Les expressions du visage, c'est incroyable. Ça, c'était ton idée. Je ne veux pas faire ça. Si, tu dois. Écoute. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, tu peux bien faire ça pour moi. Alors tu vas l'emmener chez Tommy. Merde. Merde. Ah, les frissons, quoi. Cette séquence, ça m'avait fait un peu ni chaud ni froid dans The Last of Us et The Last of Us Remastered. Mais dans le remake avec les expressions du facial, c'est... Il est hors de question que... J'ai aucune envie de finir comme ces monstres. Je t'en prie. Ne rends pas ça plus difficile. Je peux me battre. Vas-y, pars! Allez, fous le camp. Ellie. Je suis désolée. Je voulais pas que ça arrive. On y va, dépêche-toi. Terrible. Terrible. Lâchez vos armes et sortez avec les mains en l'air. Merde. J'arrive pas à croire qu'on ait fait ça. Tais-toi. En pensant au monde, j'avais peur en 2012. Ouais, mais... On va se faire tuer là-bas. La fin du monde de 2012, je crois qu'on a tous été marqués par ça. Mais moi j'avais 18 ans et j'avais été un petit peu, enfin j'étais pas serein quoi. J'étais pas serein. Elle a descendu deux de mes hommes. Bien sûr. Vous ouvrez la porte. Vous avec moi. Allez, let's go. Qu'est-ce qu'on doit faire? Faites le tour. Je m'en occupe. T'as vu ce truc? Montre-toi. Oh. Faut le buter! Je les tiens! Couvrez les sorties! Putain, je me précipite trop! On va les coincer! Ils sont dans les bureaux! Ils doivent pas s'échapper! Allez, viens! Allez.
Je les vois pas. T'as un visuel? Négatif. Déployez-vous! Hé! Hey, viens voir ici! Bâtard! Culé! Ouvre-moi! J'avance! Ah, bah là, ils sont tous sûrement sur le cul, là. Merde, je vais pas prendre mon surin. Qui est con. Et merci pour le follow, Last Freeze. Au rapport. RAS au nord, pas de cible. Tenez vos positions. C'est bizarre, c'est pas vos infos et tout, c'est quand même incroyable le début, la rencontre Joël, la fin de ce... Ah bah oui hein. 7 fois RE4. Waouh. Tu vois, je te mentais pas. Ah, chapeau hein. J'ai toujours pas eu le temps de l'attaquer moi. Non, y'a rien ici. Y'a plein de jeux, je voulais me refaire The Outer Worlds qui est sorti en définitive édition et tout. Oh là, c'est trop beau avec les spores, putain. Ah bah oui, il y a une grosse différence graphique. Hein.
Mais j'étais un peu comme toi, Lemmy Winch. Au début, j'étais un peu sceptique en me demandant est-ce qu'il y a vraiment une utilité à ce remake. Mais en fait, oui. Allez. Je vais bien. J'ai les craintes d'Eli d'être seul. Allez. Non, je vais pas me noyer, c'était calculé, les gars. Allez. Sérieux ? Allez, Eli. Ok, ok. C'est bon. J'ai vu que Conquerax va sortir un gros documentaire sur GTA 3, tu seras dedans, Gris. Je ne peux rien dire. C'est pas mon projet. Je suis au courant, mais je ne peux pas en parler. Connaissant Conquer, ça va juste être exceptionnel. Mais je pourrais rien dire. Ça va sortir vite, je crois qu'il a annoncé pour début mai. Ouais, c'est son anniversaire aujourd'hui. Bon, il a eu un beau cadeau d'anniversaire quand même, parce que ce soir c'était l'avant-première du film Super Mario. Donc il a eu un beau cadeau pour son anniversaire quand même. Tirons-vous d'ici. Hey, let's go. À propos de Tess, je sais même pas quoi... Je vais t'expliquer comment ça marche. Tu ne me parles pas de Tess. Jamais. En fait, on va tous les deux éviter de parler de notre passé. Et deuxièmement, ne parle à personne de ton état. Ils penseraient que tu es folle et voudraient te tuer. Et enfin, tu fais ce que je te dis quand je te le dis. C'est compris ? Ouais. Répète-le. Je suis tes ordres. Bien. Il y a une ville à quelques kilomètres au nord avec un type qui a une dette envers moi. Il pourra sûrement nous trouver une voiture. Ok. Non, pas en VR, ça fasse. Dommage.
Mais je serais pas. Je serais pas curieux qu'il y ait une expérience VR sur PlayStation VR 2. J'ai encore jamais vu un truc pareil, c'est tout. Quoi, la forêt ? Ouais. J'ai jamais marché en forêt. C'est plutôt cool. Ah ok Chris, y'a pas de soucis, j'ai hâte de, aussi de Welcome to Steam avec ton émission, je pense que tu auras du retard. Toi, elle nous aurait rien demandé. Pour moi c'est encore trop tôt, je pense. Écoute, je voudrais surtout pas te faire de peine, mais ton ami n'avait pas de grande chance de s'en tirer. Je pense que l'objectif de sortir le documentaire pour fin avril, donc pour les 15 ans de GTA 4, le premier épisode, est faisable. Tu peux me croire, je voudrais bien avoir une autre. Mais voilà, je vais tout faire pour. Voilà, même moi, c'est un objectif, je voulais vraiment qu'il sorte fin avril ou plus tard, mais voilà. Là, moi, le prochain jeu Naughty Dog, j'espère quand même que ça va être une nouvelle licence, quand même. Même si c'est vrai que j'ai vraiment hâte de The Last of Us Partie 3. Il faut aussi du nouveau, là. De vraies lucioles. Ouais, je vois ça. Désolée. Je me suis un peu emballée. Je vais monter jeter un coup d'œil. Ouais. Hop, on va attendre le prochain point de passage, là. Qui va arriver très bientôt, je pense. Je vais même, à mon avis... Regardez ici. Oh là non. Et on va s'arrêter ici comme ça. Demain, on reprendra directement. On reprendra directement à la ville de Bill. Là, on a déjà fait toute l'introduction. On est pas en Théo Capitole et tout. Comme ça, demain, bam, on rattaque directement la ville de Bill et on continue. Du coup, voilà. The Last of Us Partie 3, je paye 100 balles direct. Ah bah écoute, je ne sais pas encore. Bon, je pense qu'il y aura des éditions spéciales, etc. Mais effectivement, ouais, enfin, même le prochain jeu Naughty Dog. Hein. En vrai, le prochain jeu Naughty Dog, j'ai aucune crainte. Et à mon avis, ça va être un petit banger. J'ai déjà très hâte qu'il... Bon, techniquement, le prochain jeu Naughty Dog, c'est le mode faction. Je suis très curieux. Parce que moi, comme je vous le savais, je suis pas un joueur multi à la base. Donc, je suis assez curieux de voir un petit peu ce que ça va être. Mais oui, il est clair que j'ai quand même hâte de voir ce que ça va être. Mais on verra. En tout cas, sur Naughty Dog Mag, on vous tiendra informé en temps et en heure. Et on vous dira tout ce qu'il en est. En tout cas, bah écoutez, je vous remercie d'avoir passé une nouvelle soirée en ma compagnie, en espérant que vous avez apprécié ce début de voyage. Merci à tous ceux qui ont été là, qui sont passés, qui sont restés jusqu'au bout. Et du coup, merci Chris pour le live, fais attention à toi et hâte de voir le documentaire. À bientôt, il y a plusieurs documentaires qui arrivent, parce qu'il y a aussi le gros documentaire sur Tech2 qui va faire plus de 3 heures. Même moi, je ne pensais pas que ça allait faire autant de temps, donc voilà. Même si avec le déménagement, il y a eu beaucoup de retard, mais même sur Naughty Dog Mag, il y a pas mal de trucs qui arrivent. Donc voilà. En tout cas, passez une bonne soirée, les amis. Prenez soin de vous. Et nous, on se donne rendez-vous demain. Demain, ça risque d'être un petit peu plus tard parce que j'ai une réunion pour un événement caritatif. Donc ça risque d'être vers 20h30. Je vous tiendrai au courant. Mais voilà. En tout cas, prenez soin de vous, les amis. Passez une très bonne soirée. Et nous. Et bien on se dit à demain pour le replay et à demain 20h30 pour le nouveau live. Salut à tous!